récréation. 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 Ma chorégraphie d'aujourd'hui, je pense qu'elle est bien, mais on pourrait l'améliorer avec plus de végétation. Veel beton en dat er veel gaten zijn waar mensen kunnen struikelen. Het water kan niet doordringen, dus er zijn veel grote plassen. En als je valt, doet het redelijk veel pijn. Dans la plupart des cours que j'ai vus, les élèves se plaignent du fait qu'il y a beaucoup de flaques et que les cours sont pas plates. Qu'il y a des dalles qui se déchaussent et donc qui se prennent les pieds dedans, que c'est assez dur. Je m'appelle Maëlys, je travaille pour l'ASBL Tournesol Zonnebloem, qui fait de la sensibilisation à l'écologie un peu partout dans Bruxelles. Et ici, le projet, c'est de végétaliser la cour de récréation. Bruxelles Environnement a fait appel à l'ASBL à Tournesol Zonnebloem pour accompagner les écoles ici dans l'opération récréation. Wij omkaderen vooral de start van het project en het pedagogische aspect, dus samen met de kinderen, de interactie en de sensibilisering rond de natuur en zo. En jullie school, weet er iemand ongeveer waar dat jullie school ligt? Ja. Ja, zeg maar. Hier ongeveer. Daar ongeveer, dus inderdaad hoog. Le matin, ça commence par un petit brise-glace. Tu t'appelles, tu dis pas. Et les dames, elles vous couvrent. Et puis leur demander ce qu'évoque la nature pour eux dans leur cours. C'est toujours bien de voir de la végétation au lieu du béton, par exemple, quand on est à l'étude et qu'on voit les arbres, ou qu'on est dans une classe et qu'on voit cette partie de l'école, ben, c'est toujours plus inspirant que de voir une récréation avec des pierres. On joue à un petit jeu aussi pour expliquer l'intérêt de la biodiversité. On fait un petit audit dans les cours de récréation. L'étang, on n'a pas d'étang, pas de piscine, pas de mare, pas de ruisseau. Ja, we hadden niet. Ja, we hebben tomaten daar. Il n'y a pas un arbre fruité, il n'y a pas ça. Il y a prairie de fleurs, il n'y a pas ça. C'est ça, c'est pas ça un arbre fruité. Non. Non, tu vois des fruits? Je vois des spirale aromatique, il n'y a pas. Ok, donc zéro point. Het is heel belangrijk om de kinderen mee te betrekken in het project, zeker van begin al. Het zijn zij die heel goed de speelplaats ook kennen en ja, die het heel veel gaan gebruiken ook. L'après-midi, c'est plus la phase de conception de la cour. Jullie zijn nu eigenlijk de eerste naar wie dat wij gaan luisteren om te kijken hoe dat we dat willen aanpakken. Dus jullie zijn eigenlijk de experten die wij dan nodig hebben om te helpen zorgen dat de volgende een hele goede speelplaats hebben. Je vous présente des choses que vous pourriez mettre dans votre cour, que vous trouvez sympa ou pas. Par exemple, j'en sais rien, il y a des plans inclinés, des buts, il y a des arceaux à vélo. Gaan we al die kennis dat ze gekregen hebben meenemen om echt aan de slag te gaan met een plan van de school en dan te komen tot een eindresultaat waar dat ze eigenlijk echt ideeën al geven aan de architecten en de ontwerpers over wat dat zij graag zouden hebben op de speelplaats. Dat er een beetje meer gras is, want als je valt, dan doet dat wel een beetje pijn op de stenen. On pourrait avoir un potager, mettre des graines et voir que ben si on revient des années plus tard ou quoi, ben voir que ce qu'on a mis, ben ça a poussé. We hebben nagedacht over wat we al wilden veranderen op de school, een beetje groener maken. Pour moi, il faut retirer un peu les espaces bétonnés et mettre un peu de végétation et diversifier les variétés de que ce soit de fleurs, d'arbres. Dat er hier wel een beetje meer bomen zijn, zodat er meer schaduw is als het te veel zon is. Als er meer bomen zijn, is er minder CO2 in de lucht en is het gezonder om hier te leven. En het is gewoon mooier en leuker om op een gezonde speelplaats te spelen. We hebben nu eigenlijk een vertegenwoordigende groep leerlingen. Het is ook de bedoeling dat zij dan kunnen naar de andere leerlingen hun verhaal ook brengen. Zodat iedereen weet waar het om draait. En we merken ook dat leerlingen dan beter gaan zorgen ook voor die natuur. En ook veel meer gaan mee zijn in dat verhaal. En dat is uiteindelijk ook heel belangrijk.